What's up? Aujourd'hui on sorti deux euh, équipes de la semaine puis on va passer euh, au travers de ça en plus euh, de plein de prime time dont un euh, très bon goalie puis ça c'est les quatre qui ont sorti hier fait qu'aujourd'hui on va juste passer au travers puis en même temps je vais collecter euh, mes, euh, mes packs en euh, rivals mais euh, je vais les, euh, je vais pas les ouvrir aujourd'hui parce que demain, je vais être capable d'avoir un autre X-Factor Pack. Fait que je vais prendre ça, puis mes récompenses rivaux et euh, champions. Que je vais ramasser euh, ici. Saison accomplie. On peut voir, j'ai fini 11-5-1. J'ai pas joué tous mes games parce que je voulais finir dans le. Euh, dans le ranking avec 11 victoires. Pour avoir les collectibles. J'ai quand même fini 431 e hein. Pas si pire pour ma première euh, saison de Champs. Je suis parti 7-0, puis après ça, je me suis effondré un peu, puis j'ai fini euh, 11-5-1. qui est quand même pas mauvais. J'aurais probablement pu me rendre à 13 ou 14 euh, wins, d'après moi, si j'avais joué jusqu'au bout. Donc, demain, on va avoir tous ces packs-là à ouvrir. On va collecter ces points-là. Puis, c'est ça, on va tout ouvrir ces packs-là demain. Donc, pour ce qui est de la première euh, équipe de la semaine, ils ont décidé de sortir une équipe de 20 joueurs sous euh, 20 ans. Donc, comme on peut voir, on a Shane Wright, qui d'après moi va avoir aussi une carte euh, vendredi de 22 sous 22. Donc, qu'on a vraiment les 20 joueurs complets. Fait qu'on va passer au travail de ceux-là. On va regarder leurs stats. Oh qu'est-ce qu'ils ont de l'air? En premier, on a Wickl William Eklund. Euh, un. Il joue centre, ils l'ont placé sur l'aile la, sur avec. Euh, Oups! Avec euh, zone de vol, 88 de vitesse, 86 d'accélération, c'est pas mal pour un 85. Euh, ses stats de tir sont quand même corrects. 85, 91, 86, 89, c'est très bon. Euh, changement de cap, pas quelque chose d'excellent. Euh, mais quand même, euh, avec sa taille. C'est quand même un bon, euh, un bon build de, de centre. Puis c'est clairement un qui ne va pas coûter cher sur euh, le marché. Donc si tu si as besoin d'un centre, va chercher lui. Après ça, Shane Wright. Ça, c'est clairement un bon euh, joueur à aller chercher. 89 de vitesse, 87 d'accélération. Euh, très gros euh, défenseur. Euh, Pourquoi défenseur Pas défenseur. C'est un centre à 185 euh, cm. Il y a. Euh, des très bonnes passes à 93 contre le rondel. 93, vous pouvez sortir de la zone très facilement. Puis avec un distributeur comme Synergy, c'est excellent. Tête chercheuse aussi, ça va aider euh, ses tirs. Donc, euh, clairement, un bon joueur à aller chercher. Après ça, on a Aturati avec Bête de somme. 87, 89 de vitesse et d'accélération. Ses tirs sont corrects, moins bons que les deux autres gars. Euh, 84, ça commence à être un peu bas. À part si tu commences à jouer, c'est peut-être pas une carte que j'irai euh, me chercher personnellement. Après ça, pour la deuxième ligne, on a Alexander Holtz. Lui, euh, avec euh, détonateur, il vient chercher euh, un petit peu plus d'accélération puis de vitesse. Mais pour un ailier, à 86-85, il va clairement se faire dépasser par tout le monde. Euh, 89 de feinte de l'UCDT offensive c'est pas si pire, mais. Encore là, pas un gars qui, je pense, qu va faire la team à beaucoup de monde. Lui, il pourrait faire la team à quelques personnes ici, avec 89 de vitesse, 87 d'accélération, puis 90-91 de puissance dans ses tirs. Seth Jarvis, il a eu une très bonne saison à date avec les Hurricanes. Je ne sais pas si sa carte est, est tant ex exceptionnelle que ça. Encore avec un changement de cap. Je pense que ces cartes-là, c'est vraiment juste pour donner de la. Uh, L'exposition aux joueurs pour que les mon le monde apprenne à le connaître parce que leurs cartes sont pas excellentes puis je pense pas qu'ils vont être capables d'être utilisés dans les teams. Uh, même chose pour Gunter ici, 75 d'endurance, ça va, ça va faire dur. Je pense que je n'ai même pas gardé les autres. Ils ont toutes vraiment des endurances très basses. Ils vont vider de leur énergie très rapidement. Oh wow! Quelle coupe de cheveux à Mason McTavish! Qui est encore une carte bien average pour vrai, ces cartes-là. Je ne pense pas que c'est quelque chose euh, qui vaudrait la peine d'aller chercher. À part celui-là. Si on active euh, Gladiator, 89, 88 de vitesse, quasiment 90, 95 de puissance sur son tir du poignet. Euh, lui, il a l'air d'avoir de la puissance. Euh, il est grand à 53 cm. Lui, il pourrait faire la job d'après moi. Hein. Après ça, Carnu, Geeky. Oh boy, lui, sa vitesse, c'est pas exceptionnel, 86, 84, mais 193 cm, ça c'est extrêmement grand. Je sais pas, ça fait combien en, en, en pieds Ça doit être au-dessus de 6 pieds, clairement. Euh, probablement que c'est un gars qui. Ben, c'est clairement un gars qui se fait pas enlever la POC facilement. Puis c'est contrôle de rondelle. Ça a de l'air de quoi C'est euh, quel stat il faut regarder Mais, mais corporel, 80, puissance, agressivité, ré résistance, ça c'est fort à 96. Encore là. Comme je vous dis, je pense que tous vos teams sont meilleurs que ça. Puis, dernière ligne de 83, 81, puis 83. Encore, ce ne sera pas utilisable. En défense, on a Brent Clark. 88, 87. Ça pourrait être utilisable d'après moi. Hein? Topi, Niemla. Niemla, ouais, c'est ça. 87, 87, 99. <laughs> de puissance sur son tir frappé puis 98% puissance sur le tir du poignet ça ça devrait être une carte qui devrait être intéressante à, à essayer parce qu'il y a de l'air d'être puissant sur euh, tu j'imagine qu'un qu tir de la pointe ça doit aller assez rapidement à la net avec ce gars -là. ça devrait être un joueur intéressant quand même pas si lent que ça ça pourrait être, pas, euh, ça pourrait être un gars quand même utilisable ici 85-85 en vitesse peu utilisable même chose ici pour Kaden Goulet puis Shek, 83, 82, 85, 85 pour les deux gars ici. Pas utilisable non plus. Puis on va regarder vite vite c'est qui qui ont mis comme gardien. Jasper Wallstedt, je ne connais pas. Et ses vitesses, 86, 88. C'est pas euh, ce qu'il y a de meilleur. Donc je pense pas que c'est des que qu'on va utiliser dans vos teams. Puis là, on va regarder l'équipe. De la semaine qui est intéressante. Celle avec Connor McDavid qui, final... qui a finalement eu sa carte 93. Sa carte est tout simplement nasty. Avec tir explosif qui fait que son agilité va jusqu'à 99. Tir frappé de 93 euh, de puissance. Mais corporel 88-92 de puissance. 96 accélération pour les deux. En moins les duels. Lors des mises au jeu, ça c'est absolument inutile. Alors moi, je l'utiliserais sur le Wing McDavid avec sa vitesse. Euh, cette carte-là est, est endgame. Si tu packs ça, moi, euh, je, soit tu as deux options. Tu la regardes sur ta team tout toute le long ou tu la vends live parce qu'elle va être à son maximum euh, d'argent. Puis, une des techniques que tu pourrais faire aussi, c'est si tu packs cette carte-là échangeable, tu la vends puis tu achètes son 92 qui est aussi bon, mais tu vas pouvoir l'acheter pour 100, 200 000 de moins parce que... Le monde ils sont prêts à payer n'importe quoi pour avoir la carte la plus, euh, la plus chère. Donc moi j'ai personnellement si c'était échangeable. Je la, éch euh, je la vendrais pour avoir de l'argent et m'acheter d'autres joueurs pour ma team. Après ça, on a Dylan Larkin. Pour un 85-91 de vitesse, c'est excellent. Euh, je ne l'utiliserais pas comme centre. Euh, quoi qu'il a quand même une très bonne grandeur. Mais euh, avec 91 de vitesse, tu pourrais le mettre sur la wing. Mais ses tirs ne sont pas exceptionnels. Fait peut-être tu devrais le laisser centre. Johnny Goudreau, 92 de vitesse et d'accélération avec coup de sirène, ça augmente ses tirs. Le gars, il va être super vite, mais il est très petit. ça, ça, ça suit le build d'Alié qu'on recherche. Après ça, Capri ça, ça va être une carte intéressante. À 90-89 d'accélération. Des tirs euh, en, autour de 90 pour la précision, puis 85-87 pour la puissance, avec bonne vibration. Ça, ça l'aide beaucoup son agilité et sa vitesse. C'est une carte qui est excellente. Puis je, je pense que ça ne ça fait pas euh, augmenter sa, son X-Factor encore, mais la prochaine va le faire. Lui, Stamkos, il y a eu son X-Factor euh, qui a été upgradé, puis on va le regarder tout de suite après. 92 d'accélération, 91 de vitesse. Euh, des tirs tout en haut de 92, ça, c'est excellent. Euh, lustite offensive de 93 avec 90, euh, 96 et 93 de meilleur Coup de sirène, tu veux l'activer sur lui. Puis en contre-attaque, ça c'est sûr que tu vas activer ça sur sa carte. Ça va vraiment être une carte euh, d'après moi qui, qui, est à, qui est très bonne. Moi je l'utiliserai clairement. Euh, puis, après ça, on va regarder ça en va parce que ça a clairement eu un impact positif dessus. Euh, Zuccarello pour un 84-90 de vitesse, c'est clair que tu pourrais venir mettre ça sur ta quatrième ligne, elle coûterait pas cher. tu as de la vitesse, puis quand même des, des tirs dans la, dans la moyenne avec ça. Puis finalement dans la dernière ligne, d'après moi rien de vraiment utilisable avec Jaden Schwartz, Derek Brassard. Non, c'est peut-être son pas super. Puis Jimmy Ben qui, a été, qui est très froid cette saison-ci, il fait pas grand chose. En défense, on a un Victor Headman qui est juste à 85. C'est assez surprenant. Euh, rendu là, euh, tu vas pas te chercher cette carte-là. Tu payes un petit peu plus puis tu vas te chercher sa, sa carte. Euh, euh, comment ça s'appelle C'est quoi l'événement qui est au début Sa carte 88 où c'est que tu as des palmiers et tout. Là, où c'est que ça qui vient Cette carte-là. Ah, oh, c'est ça, Origin. Je sais pas si ça s'appelait Origin en français, mais c'est Origins en anglais. Sa carte-là va être bien meilleure que sa 85 ici. Lui, John Carson, ça c'est sa carte la plus élevée. 88 euh, d'accélération 97 de vitesse. Euh, D'après moi, il va avoir une carte primetime demain qui va sortir aussi. Euh, clairement une excellente carte euh, pour un défenseur. Une excellente grandeur aussi avec 191 cm. Il dépasse à 95, c'est parfait pour sortir de la zone. Euh, avec complice, qui a son accélération. C'est une, une bonne euh, synergie aussi à avoir. Après ça, on a euh, Wierenski qui s'est poussé la moustache. 87 d'accélération puis de vitesse. Cette carte-là, je, je la mettrai sur tes deux, troisième ligne de défense. Rien de vraiment spécial avec lui. S.L. Lindell, même chose. 83, rien d'intéressant. C.L.E. Low même pas des Golden On regarde pas ça. Puis finalement, Marc-André Fleury dans euh, la Team of the Week comme goaler, J'imagine à cause de son blanchage contre le fameux Kraken de Seattle. C'est ça, c'est contre le kraken. Non, c'est pas contre. contre. le Kraken. Je pense que c'est contre le Kraken. Eh non, c'était pas contre le Kraken, c'est contre les fameux Canucks. Les Canucks qui sont pourris cette année. Mais donc, on a un Fleury 88 avec 87 de vitesse, 87 d'agilité. Euh, lui, il a une agressivité à 65, euh, 75. Ça, c'est excellent. Puis euh, Belle passe le but. ça peut être aussi une synergie qui est intéressante euh, à avoir dans sa team. Donc Fleury, rien de mauvais. Puis Olivier Adam de l'Armada. Je pense qu'on va oublier ça. Là aussi regarder la carte de Vasilevski qui vient de sortir. Il y a juste 88 de vitesse, surprenamment pour un 89. Euh, Fleury qu'on vient de regarder a une vitesse plus élevée que ça. 67 d'agressivité. C'est pas une carte qui est tant bonne que ça, honnêtement. Si t'as euh, bien du cash sur NHL, achète-toi pas cette carte-là. Va chercher Spencer Knight, sa carte 92, puis euh, upgrade-la euh, progressivement. Euh, je vais regarder si ça le crée un nouveau... Euh... Allié à Vaseski. ouais, maintenant il est rendu 89. Euh, ses synergies sont vraiment meilleures sur son X Factor, donc si tu l'as, je ferais l'upgrade. Mais sinon, aller chercher la team of the week, pas que euh, le Prime Time, c'est pas quelque chose euh, que je ferais. Puis sinon, on va regarder euh, Stamkos avec son nouveau euh, niveau qui est rendu, nouvelle catégorie qui appelle, qui est rendu à 89. Avec 91-92 de vitesse et d'accélération, cette carte-là est vraiment rendue très nasty. Tu peux mettre, il y a le choix de mettre un paquet de Synergy là-dessus. Euh, moi, je mettrais probablement Magicien ou Voleur là-dessus. Puis après ça, Belle Passe Lobby ou Coup de Sirène. C'est clairement Coup de Sirène. Tu mets ça, puis tu upgrades ses, ses tirs, puis ça là, ça va monter entre 91-92. Euh, Peut-être son tir frappé... Euh, être rendu à 90... 12, 93 Ça va être, ça d'après moi, c'est une des meilleures. Euh... C'est clairement une des X-Facto qui est rendu les plus hautes avec 89 maintenant. Le gars, il est, il est en feu, puis il va continuer à, à améliorer. Si vous l'avez ou si vous décidez à l'acheter, achetez-le parce que là, avec point de blessé, puis coup de de blessé aussi, euh... Stamkos, il va avoir des minutes, puis il va clairement. Euh... Prendre le relais d'après moi, puis il va scorer encore plein de buts. Je vais aller dans mon pool, j'espère qu'il va scorer. Ça y est, c'est ça pour les nouvelles cartes euh, d'aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu sur NHL. Puis, euh, n'oubliez pas, demain, je fais ma vidéo avec euh, tous mes packs que je vais ouvrir, puis mon pack X-Factor. On va essayer d'aller chercher quand je des vides que j'ai toujours pas sur mon équipe. Là-dessus, faites attention, à vous autres. Ciao!